Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Tu sais, à chaque fois que je fais ça, tu sais, je repense aux gens qui aiment pas quand je fais ça. Et je peux pas m'empêcher de rigoler. Bon, n'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait, d'accord? Parce que je sais que t'as oublié la dernière fois, ou sinon tu viens de me découvrir. Encore mieux encore, mon ami. Qu'est-ce que tu fais? C'est le moment de s'abonner, là, ok? Et sinon, passons directement au sujet de la vidéo. Comment créer son business en ligne rapidement? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut aller fast, tu vois. Tout le monde veut aller vite. C'est comme ça que ça se passe maintenant. Maintenant, on est pressé. Ok, donc, je vais te donner les étapes pour pouvoir aller super vite. Attends, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. 5 étapes, mon ami, 5 étapes, oui. Ok, donc première étape que moi je dirais, d'accord, c'est d'avoir son blog. Alors oui, je sais que tout le monde dit si le blog c'est mort, etc., etc. Mais en tout cas, cousin, Tai Lopez, tout est, il a son site, d'accord. Il a son site, ses formations sont sur son site. Donc, je pense que c'est toujours bien d'avoir un petit chez-soi, ok. Et que du coup, après tout ce qui est YouTube, Facebook, tout ça, gravite autour de ton site internet. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc du coup, après, tu peux rajouter tes vidéos YouTube si tu veux sur ton site internet. Tu peux écrire des articles, tu peux tout faire, mais au moins tout est chez toi. Comme ça, si jamais un jour YouTube, il change, parce que tu sais, ça change. Hein. Un coup, c'est Facebook. Maintenant, Facebook, les pages Facebook, ça commence à être chelou. Tu vois, ça fonctionne plus super. Donc les trucs changent. Mais au moins, quand tu es chez toi, bah, ça bouge pas. Donc première chose à faire, avoir ton blog. Ensuite, connaître les problèmes que rencontre ton marché, d'accord? Ça, c'est pour aller super vite. Une fois que tu connais les problèmes que rencontre ton marché, eh ben, tu pourras directement après leur vendre parce que tu connaîtras en fait exactement les problèmes que rencontrent les gens de ton marché. Tu vois, logique quoi. Troisième étape, je crée l'offre irrésistible, d'accord? Donc, une offre irrésistible, c'est une offre qui, il n'y a pas besoin d'argumenter en fait. Tu vois, moi, si je te dis... je te donne 100 000 euros, tu me donnes 100 000 euros et je te fais rajeunir, ça c'est une offre irrésistible, ok? Un peu bullshit, c'est vrai, mais en tout cas, tu serais prêt à mettre même 100 000 euros si jamais je te disais, ouais, j'ai trouvé un truc pour te faire gagner 3 ou 4 mois, donc pour te faire rajeunir, ok? Donc tu vois un peu le principe, tu vois? Normalement, une offre irrésistible, tu donnes la promesse, tu donnes le prix, c'est irrésistible, point barre, tu vois? Moi, je connais un gars, un coach, il te disait, tu me donnes 35K et dans un an et demi, je te fais atteindre le million. Ça, c'est une offre irrésistible. Ok, donc se concentrer sur la création d'une offre irrésistible pour ton marché en se basant sur le problème, sur les problèmes qu'ils ont. Ensuite, quatrième étape, je prends du trafic froid, donc du trafic payant, d'accord, que ce soit par Facebook ou par une autre plateforme et je le ramène sur un webinar. D'accord, un webinar, c'est un peu comme une conférence en ligne où là, je vais apporter de la valeur, d'accord, par exemple, 4 à astuces pour pouvoir perdre du poids et à la fin je dirais pour ceux qui veulent aller plus loin et eh ben je leur propose de les accompagner tout simplement, d'accord. Donc il faut que évidemment lorsque tu es dans le web de la conférence en ligne, il faut que tu apportes de la valeur, il faut que déjà ce que tu donnes gratuitement les aide déjà parce que ça permet de créer la relation, d'installer une relation de confiance et là ils vont se dire ok, tiens, juste avec les astuces qu'il m'a donné, j'ai déjà réussi à avoir des progrès, donc ce gars là c'est un bon gars, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, il va se dire, ok, là, je peux aller plus loin avec lui. Donc très important ça. Et la cinquième étape, du coup, c'est d'accompagner le client avec ton produit, que ce soit un produit, une formation en ligne, que ce soit un coaching, etc. Ok, donc voilà comment créer un business en ligne super rapidement. Ok, donc c'est vraiment basé sur, tu n'as même pas besoin de créer du contenu, tu vois, c'est vraiment, tu vas directement à la cible. Tu sais, c'est quoi les problèmes que rencontre ton marché, tu crées ton offre. Tu la vends directement. Il y a des gens qui ont fait ça, mon ami. Et ça va super vite. Ok, c'est la façon la plus rapide que tu peux faire. En tout cas, que moi, je connais. Si jamais tu en connais une autre, eh ben, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Ok, donc si jamais, en tout cas, tu veux créer ton business en ligne, n'hésite pas à cliquer sur le lien juste en dessous. D'accord, je t'offre une formation pour comment créer ton business en ligne, ok, où là tu verras comment, déjà si jamais tu n'as pas d'idée de business, je partage avec toi plus de 25 idées de business sur des niches rentables, sur je t'apprends à créer ton offre, je t'apprends à faire ton tunnel de vente, etc. Ok, donc n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est juste en dessous et nous on se voit dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi et on reste déterminé. Oui, mon ami.